Bonjour et bienvenue à la capsule TIC numéro 5, créer un web mix afin d'organiser et de partager nos favoris à l'aide de Symbaloo. Je suis au dernier volet, donc créer sa page élève en vue d'utiliser les tablettes Microsoft. Alors, l'idée, là, c'est vraiment de boucler la boucle ici. Donc, pour la raison principale, en fait, pour laquelle je vous ai parlé de Symbaloo, c'est parce que je souhaitais trouver une façon assez simple de rendre disponibles les liens, nos liens favoris à nos élèves. Qui vont travailler avec les portables d'une part, mais aussi avec les tablettes. Donc, on se rappelle que nous avons entre nos mains en ce moment la Commission scolaire des Grandes Seigneuries des tablettes Microsoft qui ne fonctionnent pas exactement de la même manière qu'une tablette Apple. Donc, ce n'est pas par le bassin des applications là, qu'il y a une pertinence d'utiliser la tablette, mais bien par les sites web. Alors, ce faisant, bien, je souhaitais là, quelque chose de facile, de facilitant pour que les élèves puissent accéder, dans le fond, aux applications, aux liens rapidement. Donc, en faisant ça comme ça, vous avez créé vos propres onglets. Depuis tantôt, vous êtes organisé, vous avez trouvé des idées en mathématiques, en français, en sciences, tout ça. Ben là, maintenant, c'est qu'on pourrait dire quel lien là-dedans je veux rendre disponible à mes élèves. Et pour ce faire, on va se créer un nouveau WebMix. Alors, petit plus, la même chose que tantôt. Maintenant, c'est juste que je vais écrire peut-être la classe de Geneviève ou la classe 630 pour identifier mon groupe et je vais faire comme ça, ajouter. Alors, maintenant, l'idée, c'est d'aller chercher les blocs qui étaient intéressants dans mes différents onglets et de venir les rendre accessibles pour mes élèves. Donc, si c'est une page que j'ai créée moi-même, exemple, si je prends dans la classe ici Karine, ma zone CEC, il n'y a pas de petit cadenas, donc ça va être facile pour moi de venir faire clic à droite. Déplacer. Et là, on me dit sur quel autre WebMix tu souhaites envoyer ce bloc. Donc, je vais venir choisir la classe 630 et on me demande est-ce que tu veux déplacer ce bloc, ce qui impliquerait que le bloc disparaîtrait de l'onglet Karine, ce qui n'est pas souhaitable. Ce que je veux, c'est davantage copier ce bloc. Donc, je fais ici déplacer et à ce moment-là, il va être à la fois resté sur la première page et si je m'en viens dans la classe 630, voyez-vous, le bloc est apparu et là, ben, je pourrais venir le replacer. Si vous trouvez davantage un site qui était sur un WebMix cadenassé, c'est que vous avez encore le lien avec l'auteur de ce WebMix-là. Pas grave, vous n'avez qu'à venir sélectionner le lien et là, vous pourrez venir chercher le lien et il faudrait à ce moment-là vous créer en revenant sur Symbaloo et en allant sur la classe 130, mais il faudrait créer le bloc à partir du départ, mais ce n'est pas tellement long pour l'import, pour l'avantage que ça apporte. À ce moment-là, j'ai fait enregistrer. Voyez-vous, le bloc est maintenant créé aussi sur ma page. Donc, je pourrais avoir rendre disponible ce bloc-ci aussi. Donc, je pourrais mettre quelques blocs comme ça disponibles. Et ce qui est chouette, ben, c'est que un peu à l'instar de quand vous partagez vos WebMix, c'est la même chose. Vous allez partager vos WebMix, mais avec le Symbaloo de l'école. Donc, l'idée, je vous donne un exemple, c'est que si j'ai l'école de Daigneault, donc Daigneault s'est créé une adresse Gmail et a créé un compte Symbaloo pour l'école. Et à ce moment-là, à partir du compte école, ils sont allés récupérer les Symbaloo de classe de chacun des enseignants. Donc, on a le groupe 515, 615, on a le groupe de Véronique, on a le groupe de Georgette, on a le groupe de Linda, on a le groupe de Chantal. Donc, les élèves, lorsqu'ils arrivent sur leur appareil mobile, donc soit tablette ou portable, tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'aller sur Symbaloo, qui devrait être en favori dans le navigateur dans le moteur de recherche, dans le navigateur. Et à ce moment-là, ils entrent sur le compte de l'école et ils vont chercher l'onglet qui est relatif à leur classe. À ce moment-là, ben, le gros avantage, c'est puisqu'il y a un cadenas, ben, moi, comme élève, je ne peux pas modifier. Oups, je me suis rendue sur mon édition, mais je ne peux pas déplacer les blocs, je ne peux pas les supprimer, je ne peux pas les retrancher, donc je ne peux pas venir jouer dans la page de mon prof, ce qui est un net avantage. Si j'étais restée ici et que j'avais pris mon propre compte pour mettre sur les tablettes des enfants, ben à ce moment-là, oui, ils auraient eu accès à l'ensemble de mes onglets, ce qui n'est pas nécessairement avantageux, mais surtout, c'est qu'ils auraient eu accès à déplacer les blocs, à supprimer, à effacer, et là, ben à ce moment-là, ça devient vraiment trop complexe de gérer ça. Alors, l'idée, c'est vraiment de revenir comme ça avec
le Simbalou école et d'aller pour que l'élève aille chercher sa page classe et récupérer les liens que son enseignant a mis à sa disposition. Et si dans ce cas-ci, Liette, on est en début d'année, elle a mis 3 liens, mais si dans quelques semaines, elle en ajoute, à ce moment-là, elle n'a qu'à faire actualiser son WebMix et là, les nouveaux liens apparaîtraient directement sur la page des élèves. Donc, pas besoin de faire cette démarche-là régulièrement. Alors, voilà, on a fait le tour, on a bouclé la boucle. Alors, j'espère que ça vous donne de bons conseils, hein, du moins pour naviguer à l'intérieur de Simbalou. Je demeure disponible, évidemment, pour accompagner les équipes écoles si vous avez besoin d'un petit coup de main dans cette démarche-là. Puis, je vous souhaite beaucoup de plaisir avec vos élèves à utiliser les appareils mobiles. Au revoir.